un artiste peintre, Ouais. est-ce qu'il est, il peut encore créer ou il n'a que innover dans la peinture? Pour moi, s'il continue à peindre, il est obligé d'innover. Moi, Oui, j'ai mais dit pas de souvent. créer, parce que c'est la Oui, peinture qui mais est là. finalement, le résultat, c'est une création de Il se l'innovation. retrouve, alors. Hein? Il se retrouve. Oui, les choses se recoupent. Parce que moi, je me suis calé sur la différenciation, enfin, quand je pense à ça, qui suppose que la créativité se touche à la question du support et du médium, du média utilisé. Quand on change de support, mais pas pour changer, mais quand on trouve un nouveau support, là, on est en train de créer, parce qu'on va faire accepter au public de savoir lire et apprécier un nouveau, par exemple, je sais pas, enfin, des exemples, Duchamp, quand il a fait le ready-made, c'est une Ouais. créativité. Parce qu'il n'y avait pas le ready-made, maintenant il y a ce nouveau support, nouvelle manière de voir l'art, ça c'est créativité. Mais après, urinoir ou bicyclette, ou, ça c'est innover au sein de la créativité qui est le ready-made. Alors dans ça, par exemple, l'art sociologique, c'est une créativité, ce qui n'existait pas. Maintenant, il y a une façon chez le public d'appréhender l'œuvre à travers l'axe de l'esthétique de la communication et de l'art sociologique. Ça, c'est créativité. Mais telle œuvre et telle œuvre et telle œuvre au sein de la communication, ça, c'est des innovations multiples pour nourrir, pour donner forme à la créativité. Donc, un peu ça, voilà, Oui, l'innovation, c'est donner forme à la créativité. c'est ça, c'est On ça. peut dire On ça, peut on est dire d'accord ça, dans et ça. que la créativité, c'est un terme Oui, généraliste, c'est comme, et que voilà. l'innovation, elle s'applique sur Elle active, des formes à cette créativité. Oui, c'est comme on discutait, le thème et le sujet. Un peu. Le thème, c'est un peu objectif, la créativité, c'est objectif, mais le sujet, c'est le point de vue. Alors là, voilà, l'innovation, elle a un point de vue. Et il faut un point de vue pour innover. Mais pour créer, il y a un point de vue, mais c'est plus un domaine nouveau qui est Moi, je crois un qu'on ne peut dispositif. C'est plutôt pas. un dispositif Moi, si je intellectuel. pense Mais que c'est comme une mon fusée, effort de structurer, il mène un peu à là. c'est comme une fusée à plusieurs étages. Hein. Fusée? Une fusée qui a plusieurs Ah, étages qui d'accord. s'en va. Je pense que la créativité et l'innovation sont liées dans la même fusée, mais à des étages différents. Et que la créativité, elle n'a pas de point d'application précis, alors que l'innovation a des points pratiques d'application, et qu'on parle d'innovation dans tel ou tel domaine, alors que la créativité, c'est une notion qui est diffuse, c'est un concept général dont certains disposent par leur don d'imagination, leur don de détournement, leur énergie vitale, leur facilité, la souplesse et la plasticité de leur pensée, la flexibilité de leur pensée sont liées à la créativité. On ne peut pas penser que quelqu'un qui a une pensée mono et de la créativité, ou qui est une pensée qui se base sur des préceptes, sur des choses qui existent déjà. Mais l'innovation, c'est la possibilité de faire exister quelque chose qui n'existait pas dans ce domaine donné.